Bonjour, Pierre-Alexandre Tovar du Bureau 38. Bonjour, cher Romoroposo. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai démarré le téléphone, la caméra maintenant? Ben, pour la vidéo. Ah bon? Je Mais. pensais que c'était pour faire du thé, moi. Non, mais pour C'est pas la. pour faire du thé. Non, 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 pour la voilà, t'as raison, vidéo. c'est pour faire une vidéo et entre autres une pub sur MacTélé News. Mais. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le site MacTélé News de 100% Média 100% ESAT. Pour Facebook, c'est Média ESAT. Voilà, Média ESAT. YouTube, MacTélé Espace News. LinkedIn, MacTélé News, STE, AGNES, Agnès. Et Instagram, MacTélé-du-bas News. Voilà. Et puis, nous sommes en partenariat. Avec patronariat, partenariat, ouais. Il faudrait que je réapprenne le français comme il faut. En partenariat, ouais. Je vais y arriver, franchement. Avec le fil rouge et aussi Pixel, qui est un support pour mettre des vidéos internes dans les ESAT et dans d'autres centres que des ESAT, hein. Pour vous dire, Pixel, ça se, la plateforme Pixel, ça se situe à Fontaine. C'est fait sur Internet. D'accord. Ça Il faudrait qu'on se essaie situe à de Fontaine. visiter la prochaine fois. Je demanderai à notre formatrice, parce que j'ai pas prononcé son nom et prénom. Ça reste du domaine de privé et de l'intimité de la personne. Et Et je à n'ai mon pas avis, non, il à. faut demander Oui, au oui. formateur Ouais. aussi du fil rouge parce que la Ouais. formatrice en question, il va pas savoir, il va dire Oui, demander à monsieur. il va me dire la même chose que tu viens de dire. Il faut qu'on demande à la personne du fil rouge. Je peux pas prendre décision moi-même. Elle n'est pas décidatrice, voilà. Enfin, elle n'est pas décideuse. Enfin, c'est qui décide, quoi. On va. Voilà. Bon, du coup, c'est vrai qu'il y a eu un peu une réforme par rapport à la formation. Il y a eu une restriction d'heures de formation et aussi aussi une restriction des sujets qu'on ne peut pas aborder. Donc, encore une fois, je remercie monsieur Ned, responsable de l'ESAT Sainte-Agnès. Voilà. Et parce que c'est vrai qu'avant, on pouvait faire des sorties au musée pour culturer les gens. Peut-être qu'il y en avait, si vous voulez, qui n'avaient pas la chance de pouvoir sortir, parce que par faute de moyens, ou ouais, peut-être d'autres personnes aussi, qui aimaient voyager de leur lit ou de leur fauteuil roulant. Enfin, après, c'est toujours assez triste de voir des gens comme ça dans cette situation-là, mais ils n'ont pas choisi. Mais je pense que la personne en question, le responsable l'ESAT et Sainte-Agnès, bon, je vais taire son nom et prénom, parce que j'ai pas le droit de le citer, ce qui est normal. J'aimerais pas qu'on me cite sans mon accord. C'est dommage qu'il mette une restriction, parce que ça pouvait servir à d'autres personnes, mais après, bon, c'est pas moi qui fais le règlement, c'est pas moi qui fais les lois, donc, mais par contre, je pense que, à une prochaine instance où je pourrais m'exprimer pour mes envies, mes projets dans le domaine du travail, je pense que ça pourrait faire partie de apporter un outil qui pourrait être apporté à ce moment-là. Bon, bah, restez fidèles aux chaînes qu'on vient de vous citer, MacTélé News, YouTube, Facebook, LinkedIn et Instagram, et puis prenez soin de vous et puis soyez détendus. Ça sert à rien de stresser. Franchement, ça sert à rien. Allez, très bonne fin de journée et puis à très bientôt.